Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, n'hésitez pas avant de vous abonner et activer la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Avant de commencer la vidéo les gars, deux petits défis. Le premier, ça va être de mettre 1500 likes sur cette vidéo. Je sais que c'est un petit défi les gars, mais je sais que vous en êtes capable et vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc si vous y arrivez, ce serait vraiment super génial. Et le deuxième défi, ça va être de mettre un petit commentaire les gars avec le mot neige. Et les gars, si vous voulez de la neige chez vous pour ne pas aller à l'école ou autre, mettez un like et peut-être qu'il neigera chez vous, tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui est en description de cette vidéo. Du coup, là, ma deuxième chaîne, Rizawa, où il y aura des vidéos facecam. Du coup, les gars, je vous laisse avec la suite de vidéo. Bon visionnage. Ok, du coup, les gars, alors aujourd'hui, je suis où? Je spawn dans mon petit salon, regardez, avec une poule ici. Je sais pas ce qu'elle a à faire ici. Donc, j'ai une petite invasion de poule. Je crois qu'aussi... attendez, oh, je crois qu'il y a une poule dedans. Regarde, ça fait bugger la machine. Alors, je sais pas si dans mon setup il y en a une. Non, pas du tout. Donc, regardez, il y a personne aujourd'hui qui est en train de faire les montages de mes vidéos. Logique, il n'y a pas de montage. Logique. Du coup, alors, les gars, je vais regarder s'il y a des poules. Donc, là, regardez, il n'y a plus de lit. Donc, mon fils et sa copine ont dormi dans le lit, mais il n'y en a plus. Du coup, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, bon, on va descendre en bas, les gars. Mon fils est en train de dormir. Comme vous voyez, les portes sont fermées. Donc, il est sûrement en train de faire une grosse sieste parce qu'il est à peu près 16h. Du coup, il va bientôt être l'heure du goûter. Du coup, si vous pensez que mon fils va apparaître dans cette vidéo, les gars, mettez tous un like sous cette vidéo et on verra bien. Du coup, même ceux qui pensent qu'il va pas y être, mettez un like. Comme ça, tout le monde like. Du coup, alors, les gars, ce que je devais faire aujourd'hui, c'est tout simplement que j'avais quelque chose de prévu avec Souka. Mais le problème, je vais vous montrer, les gars, je voulais faire une bataille de neige avec Souka, mais regardez, il n'y a pas de neige chez moi. Il n'y a aucune neige, c'est vraiment vert, vert, vert. Regardez, je vais vous montrer la route, il y a plein de neige, mais chez moi, il n'y en a pas. Regardez, hop. Voilà, regardez. Sur la route, il y a plein de neige. Sur les autres maisons, il y en a plein. Mais ma maison, c'est la seule où il n'y a pas de neige. Donc avant, il y en avait sur les autres vidéos, mais ça a tout fondu. Du coup, ce qu'on va faire, les gars, j'ai contacté un mec. Donc là, je vais le rappeler pour savoir où j'ai rendez-vous. Il va me... c'est un petit sorcier, les gars. Donc c'est un magicien ou un dealer, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il m'a concocté une petite potion que, en fait, à chaque fois que je la lance sur le sol, et ben tout simplement de la neige apparaîtra. Du coup, voilà. Donc je sais pas si c'est un cousin de la reine des neiges, les gars. Du coup, tout simplement, on va l'appeler maintenant. Du coup, c'est parti. Je vais rentrer chez moi, les gars. Hop, et l'appeler. On va se mettre dans le salon, les gars. Voilà. Ok. Du coup, alors, je sais pas comment il s'appelle. Il me semble qu'il s'appelle Pablo Escobar. Du coup, c'est parti. Alors, on va sonner chez lui. Ok. Tac, 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 Pablo. Ok. Ou allô, Pablo? Ou allô? Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, t'as préparé la fiole que je t'ai dit ou pas? Ouais, t'inquiète, gros, c'est. Ok, ok, nickel. Les gars, Pablo à la fiole. Du coup, ça coûte combien par contre? Oh, ça va te faire 5$, mec. Hein. Ouh, 5$ les gars pour avoir de la neige, ça fait un peu cher, mais bon, c'est nickel. Bon, en fait, quoique 5$, hardcore, hein, 5 minutes on les a, nous. Hein. Ok, du coup, les gars, alors 5$, du coup, Pablo, par contre, on se donne rendez-vous où? Au coin de quoi? Au coin de la rue. Ok, donc au coin de la rue, mais vers où? Genre vers un pont, vers une maison, vers quoi? Vers un pont. Ok, nickel. Je crois que c'est le pont qui me parle de là-bas. Donc je sais pas c'est quel pont. Je pense que je vais aller là-bas. Bon bah du coup Pablo, on se retrouve tout de suite, d'accord? T'es prêt là? Ouais, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Ok, nickel. Bon les gars, Pablo est prêt. Du coup j'ai raccroché les gars. Du coup ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais ouvrir la porte les gars. Hop, bah du coup je vais mettre un petit coup de jacuzzi. Comme ça on est vraiment calé dans le jacuzzi les gars. Non, je rigole. Tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre au pont pour rejoindre le dealer les gars. Du coup c'est vraiment pas bien ce que je vais faire les gars. Mais bon, c'est pour une bonne cause. Regardez, c'est pour mettre de la neige. Du coup alors, regardez, il y a Souka qui est chez lui justement. Il est en train de se préparer justement dans quelques heures. Dès que j'aurai de la neige, on ira le chercher pour faire une bataille dans mon jardin. Du coup ça va être vraiment super cool. Alors le pont, il y en a un qui est là-bas, du coup je ne sais pas si c'est le bon, on va aller voir ça tout de suite les gars. Au pire je vais fly comme une abeille, comme de l'abeille. Du coup c'est parti les gars. Hop, alors je ne vois rien à l'horizon. Ah c'est peut-être pas ce pont les gars. Ah je me suis peut-être trompé de pont, hein. C'est peut-être l'autre pont. Ok bon bah les gars, alors je vais m'approcher quand même pour aller vérifier. Mais c'est peut-être le pont qui est de l'autre côté. Et je pense que c'est pas celui-ci. Ouais les gars, je crois pas qu'il soit là hein. Non, il n'est pas là. Ok. Bon, du coup, les gars, c'est parti. On va se rendre sur le deuxième pont qui est juste à côté de ma maison. En fait, c'était pas celui-ci. Du coup, en fait, c'était du mauvais côté. En même temps, le dealer m'a pas dit où il se trouvait exactement. Du coup, alors, je pense que le dealer... Ah, merde, les sous. Ok, alors, on va prendre des diamants, les gars, que j'ai, hop, dans mon inventaire. On va prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 diamants parce qu'il a dit que c'était 5$. Du coup, c'est parti, on va aller le rendre, du coup, on va rendre l'argent, donc les 5$ au dealer, et le dealer va tout simplement nous donner la petite fiole pour faire de la neige. Ah bah, regardez, il y a quelqu'un là-bas, les gars. Oh, ok, ok, je crois que c'est le dealer. Du coup, on va voir, du coup, là, à mon avis, il est en train de... Oh, je crois qu'il est en train de secouer la potion, les gars. Ok, bon, c'est parti, on va aller le rejoindre, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il est en train de danser, ok. Pablo Escobar, c'est toi? Ouais, ouais, c'est moi, mec. C'est toi, ton téléphone, là? Ouais, ouais, c'était moi, c'était moi. Ok, du coup, t'as ma potion?
Ouais, vas-y, je l'ai dans ma main. Okay. Donne-le 5 dollars. Bon, les gars, Pablo Escobar, les gars, il ne rigole pas. Il veut d'abord que je lui donne l'argent. Du coup, c'est parti, on va le donner. Donc, ça fait 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars et 5 dollars. Ok, nickel. Est-ce que le compte est bon? Ok, c'est bon, tiens, vas-y, la potion. Ok, nickel, nickel. Ok, je vais regarder si la potion. Ok, donc là. Ok, donc c'est une potion où c'est marqué neige dessus. Ok, bon, bah, Pablo Escobar, ben, on se dit à la prochaine, d'accord, si j'ai besoin de toi, ok? Ok, vas-y, vas-y. Ok. Bon, du coup, les gars, c'est parti. Du coup, Pablo Escobar, à mon avis, il va disparaître. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... il faut qu'on mette ça dans le four. Donc, Pablo Escobar m'a dit qu'il fallait mettre la petite potion dans le four tout d'abord pour la réchauffer un petit peu. Du coup, je ne sais pas si j'ai un four qui peut fonctionner. Donc, regardez, il y a encore des poules juste ici. Du coup, les poules... Ah, il va falloir qu'on les tue, les gars. Oula. Ok. Oh, elle est puissante, la poule. Ok, c'est parti, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre la fiole dans un petit four. Du coup, hop, la petite potion, on va la mettre dans un four de chez moi. Regardez, il y en a un juste ici. Alors, ok, donc là, il y a déjà un gâteau. Et ben, on va en prendre un. Regardez, juste là, tac, on va prendre un petit four. Hop là, et on va prendre du charbon, les gars. Ok, donc normalement, c'est pas censé cuire, c'est juste censé décongeler la potion. Parce que vu que c'est une potion de glace, les gars, une potion de neige, ben, elle risque d'être congelée. Du coup, regardez, hop, je mets la potion juste dans le petit fourneau et je mets du charbon juste ici. Du coup, c'est normal si la flèche ne marche pas, il va falloir attendre quelques temps. Du coup, je pense que les gars, on va se retrouver dès maintenant, dès que la potion sera prête. Du coup, à tout de suite. Ok, du coup, regardez, je pense que là, il est l'heure, donc j'allais montrer ça, mais en fait, c'est juste un cadre de moi et non une horloge, parce que j'ai pas d'horloge encore chez moi, mais la potion est prête, les gars. Du coup, alors, on va la sortir du four. Regardez, voilà, elle est parfaite. Il me reste du charbon que je vais mettre juste ici. Du coup, la potion, les gars, regardez, c'est une petite potion de neige. Du coup, on va la tester dehors. Du coup, hop, je vais ouvrir. Bon, j'ai pas mis de vêtements. Alors, on va se mettre ici, les gars, c'est parti. Attention, à 3, on lance la potion. 1, 2, 3, ok. Oh, ok les gars, regardez, ça a vraiment bien marché, il y a de la neige. Du coup, on va la tester juste ici, regardez, on va la tester là dans le jardin. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3, ok, on la lance. Et là, la neige, ok, la neige apparaît, ok, nickel, c'est vraiment magnifique. Du coup, on va se mettre un peu ici. 1, 2, 3, ok, tac, on la lance. Et là, ah ok, ça marche, mais ça fait des petites foulées de neige. Du coup, au pire, on se retrouve tout de suite les gars, dès qu'il y a de la neige de partout. Et comme ça, ben, on ira après chercher Souka pour faire une bataille de neige, à tout de suite. Ok les gars, regardez, c'est tout, nickel, il y a de la neige de partout, ça a vraiment bien marché, regardez, il y a de la neige juste ici, donc là, il y a juste un petit coin où il n'y en a pas, regardez, oh, il y a de la neige en l'air, ok, regardez, il y a de la neige ici, 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 donc là, on avait déjà montré, mais regardez, même devant, c'est rempli de neige, on aurait dit qu'il y a vraiment eu, justement, une tombée de neige cette nuit, alors que pas du tout, mais regardez, en dessous de l'arbre, par contre, il n'y en a pas, ils sont au-dessus de l'arbre. Mais franchement, c'est vraiment magnifique. Du coup, c'est parti. On va aller chez Souka parce que Souka m'avait proposé de faire une petite bataille de neige cet après-midi. Du coup, tout simplement, je vais lui dire qu'on vienne dans mon jardin pour la faire. Du coup, alors Souka, il habite juste là. C'est parti. On va aller toquer ou sonner. Je sais pas s'il a une petite... Je sais pas s'il a une sonnerie, lui. Non, il en a pas. Ok, bon, c'est parti. On va toquer, les gars. C'est moi, ça va, Iz. Ok, bon les gars, je crois qu'il arrive, je sais pas ce qu'il entend faire. Ah, il est là. Ah, Waris, comment tu vas? Nickel, et toi, Souka? Ça va, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, est-ce que tu veux pas qu'on mange un petit truc pour Watch Time là? T'as pas un petit truc à manger? Qu'on mange un truc? Ouais, y'a pas de soucis, y'a ta race dehors. Ah, ok, bon les gars, Souka m'a laissé dehors. Je ne sais pas pourquoi il me laisse dehors et pourquoi pas il me fait rentrer. Je sais pas s'il me prépare un truc de bon ou de pas bon, je sais pas. Ok, bon bah les gars, je pense. Hop là, c'est prêt. Ah, du fromage? Ok, bon bah les gars, du fromage, il me propose du fromage. Bon, on va le manger parce qu'on a faim les gars. Mais bon, alors du coup, Souka... Oui, Yawariz. Ouais, tu rigoles. Oui, je rigole avec toi, rentre, je prie. Ok, nickel. Vas-y, ferme. Ok, et qu'est-ce que tu m'as préparé de bon, des cookies et tout? Bien. Ok, nice. Regardez le setup magnifique de Souka pour ceux qui l'ont pas jamais vu les gars. Du coup, là, c'est... Non, prends place, je vais te ramener à bouffer. Ok, je me mets dans la chaise de Billy. Allez. Regardez les gars, je suis dans la chaise du petit Asuka, regardez. Franchement, voilà. Alors moi, je suis en plein régime, tu vois. Ouais. Du coup, je t'ai préparé des œufs et des pommes de terre. Waouh. Ok, des œufs, des pommes de terre, les gars. Du coup, c'est parti. Hop, on va grailler les œufs. Et comme je sais que tu es un grand buveur, je te passe 3 bouteilles d'alcool. Oui, je vois que Souka, il a pensé à moi. Du coup, c'est parti, on va boire de l'alcool. Ok, bon, bah c'est vraiment bon, les gars. Bien sûr, on tient à préciser que l'abus d'alcool est vraiment pas bon. Très bon pour la santé. Non, et pas bon. Là, et je rigole. Et que c'est l'alcool est à consommer avec modération et qu'il faut avoir plus de 18 ans. Du coup, là. Du coup, voilà. Du coup, moi, c'est bon et Souka, c'est pareil. Ok, du coup, Souka, est-ce que t'es toujours go pour la petite bataille de boules de neige ou pas? Non. Ok. Bon, du coup, Souka, les gars, il se dégonfle. Ok, c'est bon, t'es chaud? Ah, je me dégonfle carrément. Non, je regarde, je sais pas, bah, moi, je pense que je vais gagner la bataille. Hein. Ah,
est-ce que t'as remis de la neige devant chez toi? Parce que je me rappelle que ça avait tout fondu. Ouais, t'inquiète, j'ai trouvé une solution, il y a eu de la neige, regarde. Ah ouais, ok, ah oui. J'ai... Ah, mais t'es parti voir l'arabe du coin, là. Oui, Marwan. Marwan. Ouais, ok, du coup... C'est un collègue de Souka, les gars, donc c'est un pote à Souka qui m'a vendu, du coup, genre, qui m'a fait la fiole pour faire la neige. Ah oui, ok, d'accord. Ah ben voilà, le travail était fait au moins. Je crois qu'il est en GAV là, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Ok, je sais pas s'il y a encore. Du coup, Souka, est-ce que t'as préparé des boules de neige ou pas? Parce que moi j'en ai pas encore préparé. Attends, je vais en ramasser. Ok, bon les gars. Ok, Souka, les gars, regardez, il est en train de ramasser boules de neige parce que lui il est vraiment fort pour faire les boules. Oula, hardcore. Du coup, Souka, bah vas-y, rejoins-moi dans le jardin. Ok, du coup, les gars, c'est parti. Nous on va aller dans le jardin. Du coup, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Souka simplement quand il va venir me donner des boules de neige, je vais les prendre et je vais lui dire comme quoi, on va démarrer de la maison et comme quoi, on va prendre chacun son tour place. Du coup, j'espère que le dealer il allait vraiment super loin parce qu'on va sinon on va le voir. Donc on a l'œil. Du coup, Souka, après dès qu'il va revenir, moi je vais me cacher dans la maison à Toto les gars. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une petite fenêtre pour balancer des boules de neige sur Souka. Regardez, hop, voilà, nickel. Du coup, ah, j'ai entendu les gars, il va arriver. Ok, c'est parti les gars. Bon, c'est ok, regardez, on va faire comme ça. Ok, nickel. Ok, Souka. Oh là là. Ok, nickel, il est là. Ok, Souka, c'est bon, t'as préparé les boules de neige? Oui, bah, alors, fais voir des boules de neige. Regarde. Mais lance-les pas sur la pauvre. Oui. Ok, Souka, il est en train de lancer des boules de neige sur la poule. Du coup, vas-y, Souka, vas-y, donne-moi des boules de neige. Ouais, t'en as pas ramassé toi, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Bah, je t'ai dit d'en ramasser, t'inquiète, moi je suis allé. J'ai froid aux mains, mec, ça veut dire que j'ai ramassé des boules que pour toi. Ah non, pour toi aussi, garde-en pour toi. Ah oui, okay. En plus, j'ai fait des grosses boules de neige. Ah, des grosses boules, ok, nickel. Okay. Ouais, on a compris, ouais, des boules de pétanque. Ok, du coup, c'est parti. Du coup, Souka, je te propose quoi? C'est qu'on aille dans la maison et qu'on sorte d'un coup. Toi, tu sors par l'avant et moi, je sors par l'arrière et après, tu viens de me rejoindre derrière dans le jardin, ok? Ouais, ok. Ok, bon, les gars. Et en fait, Souka, il ne se doute pas que je vais le troll, tout simplement. Alors, regardez. Ouais, Souka, qu'est-ce que tu fais? Triche pas, hein. Faut que t'ailles devant la maison pour me rejoindre. Ok, je vais devant la maison, d'accord. Ok, du coup, les gars, comme je vous ai dit, il va pas se douter, tout simplement, que je vais le troll et que, tout simplement, je vais me mettre dans la maison de Toto. Du coup, je vais le canarder de boules de neige et, à mon avis, après, il va retourner chez lui parce qu'il aura perdu. Du coup, Souka, t'es prêt? Oui. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est go. Ok, du coup, les gars, c'est parti. Ok, bon, j'entends du bruit, beaucoup de bruit. Je pense que c'est du vent, les gars. Du coup, alors c'est parti. Je sais pas où il est, Souka, les gars. Alors, moi, je suis dans la maison de Toto, les gars. Du coup, alors, dites-moi, dès que vous voyez Souka. Moi, en tout cas, je le vois pas. À mon avis, là, il est en train d'arriver. Alors, regardez, il est là. Ok, il est dans la maison, là. Ouh, je lui dis dans le jardin. Ok. Je sais pas ce qu'il fait, les gars. Ok, il est en train de sortir. Attention. Bon, le canard, attention, Souka. Attention. Allez, quoi. Ok. Ok, c'est parti, les gars. On canarde Souka. Ok, les gars. On le canarde jusqu'à qu'il rentre chez lui. Allez, casse-toi, t'as perdu. Oui, ok, les gars, je crois qu'il a avalé de la neige. Ok, bon, les gars, je crois qu'on a battu Souka pour cette manche. Du coup, si vous voulez qu'on refasse une vidéo où on fait un combat de boules de neige avec Souka, que ce soit sur ma chaîne ou la chaîne de Souka, et bah, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être vraiment super génial. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Awariz, et abonnez-vous à ma deuxième chaîne, Rizawa, qui est dans la description. C'était Awariz, ciao tout le monde.